Salut à tous, bienvenue sur Assassin's Creed Valhalla. On est déjà petit épisode 23, ça avance, ça avance. Hein. Et là, le petit récap d'avant, on était en train d'attaquer un roi, on me rappelle. On faisait une alliance là. Donc normalement, là, on va continuer sur tout ça. Sur toutes les petites attaques du roi. Hop! Bon, on en était où dans tout ce bordel? Je sais même plus, on était où? C'était quoi que je devais attaquer là? C'est quoi la mission en haut? J'ai une mission en haut? Non, j'ai rien pour l'instant. Pour 5 pièces, c'est cool. L'outil y grimpe à place de prendre la tyrolienne. Non, mais on va y arriver un jour. Jour. Ah, j'avais jamais fait gaffe que c'était la hache qui prenait. Bon, moi je dois aller où? Elle est où la continuation de la mission? Là, il y en a une, c'est quoi? C'est ça? Ah, c'est ça. Après, il y en a au village. Ça, c'est boire la potion pour retourner à machin. Rapporter la statue. Ah oui, j'ai la statue à rapporter. Je vais rapporter sa statue avant. Merde, pourquoi je suis sorti de la carte? Ah oui, je vais rapporter et je vais retourner faire la mission. J'avais oublié ça. C'est où, c'est derrière là. Reconnais-le, la fils. C'est moi. Te voilà, mon gros dur. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Maximilien t'envoie ses salutations. Oh, quoi? Il te l'a remis? Qu'est-ce qui a pu décider cette fouine puante à s'en séparer? Sans question, point de mensonge. J'espère simplement que tu es content. Et ni toi ni moi ne risquons de revoir cet homme. Oh, merci, Eivor. Merci. Donner des objets aux Romains 5. Mais je les ai pas, les 5. Ah putain, c'est nul ça. Je dois partir. Ah, c'est vrai qu'il m'en manque à une. Bientôt. Voilà. Faut en trouver une tête là pour lui donner là. Voilà. Allez, validé. Donc ouais, c'était bien ça en fait. En fait, faudrait que je trouve les autres entrées. Ça, c'est une autre histoire aussi, mais bref. C'est un combien ça? 330. Déjà une 160, je commence à les sentir passer. Je trouve qu'il m'en reste plus grand chose. C'est bizarre ça. Pour le peu de camps qu'il me reste à attaquer, c'est bizarre. Mais après, j'ai pas tout dévoilé non plus. Donc, on va retourner. C'est quoi ça?
Le champ de Soma. Attends, j'en ai combien d'ailes là? Il y en a 3 là. Laquelle je dois commencer? Ah oui, là c'est 3 bonhommes différents. Galine, voilà. On va commencer par lui. Pourquoi lui je l'ai pas? Ok, bah ça va prendre le réflexe de le faire maintenant. Je savais même pas que je l'avais pas. Là je suis là, faudrait que j'aille en face. Bon, on va prendre juste le bateau là pour aller en face. Je continue de nager. Attends, je peux suivre l'eau ou je suis obligé d'y aller à... Oula, non, ouais, on va suivre l'eau quand même. Faut pas faire le con là. J'allais me péter la gueule dans le bord là, mais non. T'as les bombardes avec le bateau lui. On va continuer. Il y a un truc à ramasser sur l'île là, non? Ou c'est moi? Seigneur. Tu dis que c'est ton royaume? En effet. Le Norsex, dont je suis le premier souverain régnant, Egvald. Et en tant que tel, je cherche une alliance afin de me soutenir. Un royaume? Comment sait-il? Oui, de part en part. Mes frères et moi sommes tombés sur cette terre inoccupée il y a quelques mois, et l'avons trouvée adaptée à nos ambitions. Hélas, mes frères sont morts noyés peu après lors d'une tempête qui a aussi englouti nos richesses. Parmi elles, il y avait un bracelet. Je suis prêt à te l'offrir en témoignage de ma loyauté. Si tu le trouves dans l'épave, tu auras pour ami un roi. Un bon bracelet peut être aussi important que le sang pour le cœur. Si je le trouve, je te le dirai. Et donc, il a un joli royaume, hein. Et ça peut être où son truc là? Là là? Ouah, je pense pas que là. Peut-être pas à ce point là non plus. On va aller voir comme ça. Je peux même pas y aller, c'est quoi? Il est con putain, je pensais que tu voulais sauter sur ça. Je pense qu'il y aurait quelque chose là. Il y a un corps là. Ah, mais c'est des corps qu'on voit. Ah bah tiens. Il va être content. Je pensais pas tomber dessus tout de suite. Je le garde son bracelet de merde, on va le donner. J'ai trouvé ton bracelet dans l'épave de votre navire. Par tout ce qui est grand, je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Tu es désormais engagé envers le royaume de Norsex. Norsex.
C'est un honneur pour moi de conclure une alliance avec toi, roi Egvald du Norsex. Puisses-tu régner longtemps. Merci. De même que tu es engagé envers moi, je le suis envers toi. Si je dispose un jour d'une armée, tu pourras en faire usage. Ouais, bon, on est pour gagner, hein. Un seul mec au milieu d'une petite île en plus qui tiendrait même pas une maison. Là, tu peux faire juste une petite maison jolie là en bas. Coco, ton... Ouais, tu pourrais quand même faire peut-être une petite maison, quoi. Mais... C'est vrai que ton endroit sera un peu douteux, quand même. Ouais, ça fait quand même. Déjà, t'auras pas de métal sur ton île, déjà. Ça appartient à moi, maintenant. Bon, c'est bien cette connerie, mais... Toi, tu vas me prêter ton bateau, mon cher ami? Tu sais nager. C'est un enculé notre gars quoi, tu sais nager. Bah voilà, regarde, t'as ton premier mec. Attends, c'est où faut que j'aille moi maintenant? Bon l'eau. Bon on va aller là. Hein. J'ai pris un bateau pour traverser l'eau quoi. Bon il peut venir le rechercher. C'est là? Ah oui, c'est là. T'as les trucs pour scanner maintenant, je les trouve beaucoup moins durs qu'avant. Hein. Moi je me rappelle dans les premiers Assassin's Creed, quand j'ai commencé dans les tout premiers, bah peut-être pas tout, si, peut-être même le premier, je sais plus. Mais bref, même dans le 3 ou dans le 2, la Blood World, ou je sais plus comment ça s'appelle, ils étaient super beaucoup plus durs pour aller. Putain, j'avais même pu remonter. C'est moi qui les con. Voilà. Pour aller. Synchroniser les trucs là, c'était beaucoup plus dur. Hein. Maintenant. Je me rappelle avant, on passait, elle est peut-être 2 minutes pour monter une tour. Tellement que c'était la galère. Faut les monter à droite, après faut les faire le tour pour passer sur le côté gauche. C'était beaucoup. Que maintenant, là, les derniers assassins, je trouve c'est super facile de les faire les trucs. Comme là, c'est même pas une tour. Si ça se passe bien, ça prend 30 secondes. D'hab, je vais mettre. Je le connais, lui? Non. Je vais mettre un point, comme ça je sais par où aller. Par là-bas. Ok. Pas être vu. Vite, ma capuche. Ah merde, j'ai pas vu, attention. Voilà. Ah non, on peut pas attaquer.
ça c'est de l'anté toi. Casse la porte, je tue le mec. Il a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Emmerdé par des mecs. Ça, t'as pas le temps de casser la flèche. La flèche. D'appeler les gros. Ah bah mon pauvre, tu vas avoir mal là. Ah oui, je te l'avais dit. Hein. Ce qui m'emmerde là. Bon, ça va aller. Ok, je viens de te voir. On y est prêt. Ça prend. J'arrive pas à esquiver. Allez, ensemble. Ouais, j'avais plus d'énergie. Voilà. Oh, je t'avais pas vu toi. Regardez-moi faire. Quoi, j'ai pas pu tirer? Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui de spécial lui? J'ai gagné quoi? Ah de l'or. Ça sert plus à grand chose l'or moi mais. Pas attaquer. C'est quoi ça? Ah, de la bouffe. Ouh, j'attaque un truc que je devrais attaquer après ça. Sûr et certain, 1000%. Bah, je vais quand même y aller pour aller récupérer le truc parce que je penserai pas pour l'attaque. C'est obligé qu'il y ait des portes comme ça à tout, normalement. C'est un truc de mission. J'arrive pas à y aller. Sans les bras, ça sert à rien les bras. Ah ouais, mais vous tapez à deux, normal. Putain, je suis poussière. Je crois à rien.
Ok, tu veux taper. Oh, c'est fait. Oh, il casse les couilles, lui. J'ai pas touché là. Vous m'emmerdez avec vos flèches, vous. Merci. Et il est où le trésor? Il est dedans. Ah oui, il est là-bas. Alors ça c'est bien, mais c'est un truc que je sais jamais quoi mettre en fait. C'est quoi ça? Poudre incendiaire. Ok. Moi j'ai quoi déjà moi? Okay. Ouais, je vais mettre à la place de ça, t'as raison. Attends, mais c'est niveau 2? Ah ouais, niveau 2. Ah, je pensais que c'était à moi de les améliorer, les trucs. Je savais pas qu'ils s'amélioraient. En fait, on les trouvait améliorés. Un truc que je découvre. Bah là je vais pouvoir aller à ma mission maintenant. Moi j'ai juste tué Jackie et Robert. Voilà. C'est quoi la clé de la porte de merde là? C'est à dire que j'ai tué lui pour une clé là? Waouh. Ah oui, j'étais pas dedans quoi. Là je peux pas passer par là si. Non, pas. Comment je sors d'ici, moi? Une galère à sortir dans ce truc là. Ah, c'est bon, je vois. Je suis en danger. Qu'est-ce qu'il racontait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit le roi, il se sent en danger? Oh, trop bien la tyrolienne, j'ai trop aimé là. J'ai jamais fait de la tyrolienne aussi bien. Alors. Ici. Donc par là. Allez, on fait le tour. Allez, go. Laissez continuer. Tu as traversé une tempête. Tu n'en as jamais parlé? Ce Vartsoul. Hey Ivor, belle journée pour prendre l'air, non? Soma a dit que je te trouverai ici, Leaf. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wingmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wingmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été. Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grantebridge?
Je dirigerai la ville à ma manière. Je ne donnerai pas autant de poids aux avis de Birna et de Galil. Tu ne leur fais pas confiance ? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galil regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourraient nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Guthrum confia Gantebridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision ? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour... Je vais me faire un café en même temps, les gens. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance ! Soma est ma Jarlskona et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires ? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wingwood. Tu as raison. Mais là, il ne parle pas des mecs que j'ai tués il y a deux minutes là. On va tuer personne en fait. Les soldats saxons à la porte. Toi et moi. Si c'est ça en fait, on va vraiment attaquer des mecs que je viens de bourriner là. Donc on va attaquer qui en fait ? Allons attaquer personne. Ouais. Ah bah ils sont où ? Y'avait pas ça tout à l'heure, tu ? Ça, j'ai jamais compris ça. Tu sais, y'a quelqu'un qui comprend ça, qui connaît ça ? Attendez, je me fais couler. On dirait que c'est des missions de mecs en ligne, ça, non ? Chaque fois, j'ai des noms comme ça, on dirait des mecs en ligne et. Mais pour toi, je veux bien essayer autre chose. Comment je dois rentrer ? À part là. Il est où le truc ? Donnez-moi, donnez-moi le coffre. Voilà. Attendez, je vais chercher mon café. Voilà. Tac, meuf là. Qu'est-ce que c'est ça ? Et qui lit ? Qui raconte tout ça ? Les gars, vous foutez le feu, on est dedans, vous êtes vraiment cons comme des balais quand même en fait là. Attendez qu'on soit plus dedans, on te fout le feu, quoi. Celui qui t'a tué a été représenté. Voilà, Vengez, Jérémy Bass 87, je sais pas qui c'est. Et j'ai plein de missions comme ça, tout le temps. C'est quoi, ça ? Ouais, j'ai déverrouillé la porte, trop cool, quoi. Je suis content d'y voir. Et on doit faire quoi, mon ami ? Trouver et tuer le prêtre. Ah, mais j'ai flingué tout le monde, là. Il est où, ce prêtre à la con, là ? Les gardes sont vigilants par ici. On peut pas casser, ici ? Non. Ah bah les gardes sont vigilants, c'est sûr, y'a personne. Ah bah ils sont tellement vigilants en fait. En fait j'ai géré d'avoir tué tout le monde avant. Mais qu'est-ce qu'il fait mon bonhomme? Il est vraiment con de se cacher dans le buisson là. Tu vois cette construction? Les arbres qu'il a fallu abattre et l'outillage nécessaire pour soulever la pierre de la belle. Mensonge de ce prêtre, je l'ai tué comme une vie, merde. Mieux vaut repartir. Ah bah bien. Ah bah il était dur le combat des wars. Ah c'était vraiment compliqué hein. Pff, on a passé des heures à se foutre sur la gueule là. Ah les gars, vous avez dû en chier franchement.
Il a même pas pris la tyrolienne, lui. Il est vraiment nul, lui. Bien joué. La question de l'homme de Wigmund a été vite réglée. C'est vrai. Tu as fait la preuve de ton utilité. Je te retrouverai. C'est pas un ennemi qui vient de passer à côté de nous, là ? Si ça, je dis rien. Si ? Ah bah je l'ai one shot, ok. Je pensais que je l'avais mis à terre. Bah bah voilà. Ça c'est fait. Mais je le savais que le truc c'était un truc d'attaque. Je connaissais pas. Je connais pas le jeu donc je pouvais pas savoir que c'était vraiment avec ça. Mais ça s'est remarqué. En gros tu commences à t'habituer au. Qu'est-ce qu'il fait mon bonhomme? Bon. On a fait celui-là, maintenant on va aller à celui-là. Bah pareil, on y va tranquille après. On va pas faire la même connerie. Hein. Bon après c'est rigolo d'avoir tué tout le monde avant de faire la mission. Là pour le monde, je sais pas si vous avez vu, ceux qui sont fans de jeux de survie sur la PS5 ou peut-être Xbox aussi, je sais pas. Les cheveux et les ongles. Il va avoir des nouveaux jeux au mois d'avril là. Un bon jeu de survie là où il drape ici, là je sais plus comment il s'appelle le jeu. Et le jeu de pirate aussi, pas celui-là qui vient de sortir là. Non, mais le vrai jeu qui est sur PC. Les odeurs s'accumulent. Eivor, mon ami musclé, il y a des hommes de Wigmund près d'ici. On va les dévier. Ah oui, c'est elle. Jusqu'au dernier. Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Guthrum, d'Ivar, d'Ube. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueillie, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un J'espère projet. Qu'après, ils vont pas nous faire choisir. Hein. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance. Mais ils vont me demander lequel que voilà. Je soupçonne. C'est ce que j'aime chez elle. Wow. Et j'aime tout chez elle. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Ah, trop bien, la pluie là. Jouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. Il est beau le ventre de mon loup. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galin et Leaf? Ah, Leaf est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galin, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. Ok. Mettons nouveau travail. J'aime discuter avec toi. Mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Bon, on doit attaquer qui en fait là? Eux là-haut? Hein? Non. J'ai rien compris là. Éliminer les gardes. Ah, je l'ai pas vu le camp derrière. Près de toi sera amusant. Heureuse d'en avoir l'occasion. Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'œil ou sur la tête. Tu perdrais ton bras bien avant de pouvoir m'atteindre. Attends, parce que là, faut que je comprenne pas où je dois passer, moi. Interdit. On dirait pas par là. Voilà, café, c'est fait. Bon.
Reprenons où on était. Attends, je peux pas passer par là-bas? Non. Là, c'est une galère votre merde pour passer là. Tu réveilles là, t'es nul. Casse-toi, laisse-moi le tuer. Toi, fais rien, toi. Observe ce que je fais. T'apprendras des choses comme ça. Suis-y, moi, là. Hein? Mais c'est qui est en train de me calculer, là? Je le vois pas. Oh putain, mais il est en bas, cherche en haut qu'il est en bas. Ça l'a même pas tué. Voilà, ça l'a tué. Voilà. Ah, trop classe la flèche qui va pas sur le gars. J'adore moi. Bah là, je suis pas monté. Hein, donc. On va tout péter quoi. Attends, il y a des mecs en train de me voir là, non? Ou c'est moi qui ai halluciné là? C'est qui m'a vu? Hein? J'ai pas compris de... Ah, quand même bien l'arc hein. Franchement l'arc c'est vraiment l'arme numéro 1 du jeu. Ah mais c'est avec moi ça, ok. Vous êtes passé par où les artistes là? Je vois même pas par où vous êtes passé. Ah par là. En fait j'ai fait tout le tour que la porte était juste à côté. Normal. Du bien du moins ça. Mais j'ai vraiment fait tout le tour en comptant que la porte était là. Mais comment on monte là? C'est... Faut se téléporter là? Hein? Mais... Quoi? T'es nul toi? Bah ouais, faut le dire. Bah ouais, tant mieux que tu me remercies mec. Attends, mais je comprends vraiment pas comment je dois monter. Ouais. Là je l'ai loupé parce que je suis une merde. Et là je le vois plus. Et putain mais... Et il est où mon curseur? Je l'ai eu là. Merde, là j'ai fait de la merde. Voilà. Oh, mais vas-y, c'est nul ça! Voilà, toi tu dors, ça sert à rien, tu vois, toi tu dors. Putain, mais je suis vraiment aveugle, j'ai même pas vu qu'on pouvait monter là. C'est l'heure de mourir là! Attends, non. C'est qui est blessé là? Waouh, vous êtes saoulant d'être blessé pour rien là, les mecs! Ah oh, ouais, mais t'es tout en bas, bah tant pis, hein. Moi je veux pas t'aider, hein. Dans ta tête. Voilà, tout cassé l'autre. J'ai envie d'aller l'aider le pauvre, mais... Bon. J'ai pas envie d'aller là-bas.
Pourquoi je peux pas récupérer des flèches? Allez, enlève ta tête aussi, toi. Elle te sert à rien. En fait, je tiens que 18 flèches, c'est vraiment pourri en fait. Hein. Quand je regarde avant, j'avais 30 flèches sur l'OTA. Qu'est-ce qu'il fait, mon gars? Pourquoi je lui fais ça là? J'ai toujours pas eu le temps d'esquiver. Voilà, toi encore t'as fait aussi. J'ai dû enlever toutes les têtes de tous les bonhommes limite. Tiens. Mais non, je vais casser la porte. Je regarde un truc vite fait. Quoi que j'ai trouvé? Une clé de porte Ramander. Ok. Alors là, je sais jamais où les mettre. Ça, c'est de la vie. Ouais, je vais prendre. Genre, on va mettre ça. Voilà. Corps à corps, hein, dis pas non. Allez, à distance. Voilà. Hein, voilà. Alors, il y a un mécou. J'ai un dos un petit peu. Putain, mais j'ai un mec là par terre. Voilà, copain. Ah, mais vous êtes tous par terre comme des grosses merdes. Putain, ça annonce le truc quoi. Je vois que c'est pas mon équipe, hein. Non. Ah, mais vraiment. Je dois vraiment ranimer tout le monde. C'est elle, je suis trop con. Elle est ranimée de qui elle? Bah lui. Il s'est auto-ranimé quoi. Bon bah maintenant j'y retourne parce que... T'as ce tour qu'on fait quand même. Garde. Putain, on en fait du chemin. Vas-y, moi je coupe. Vous êtes des copains, vous. Vous êtes la famille, vous. Yes. On va être riche avec ça, lui. C'est un ennemi, ça. Il a essayé la flèche. Ah bah, j'ai fini. Ouais bah, je m'en fous, je vais quand même fouiller, moi. On ira parler. Oh, en plus, c'est un beau coffre là.
Oh, j'en ai pas beaucoup de ça. Hein. Franchement, au début c'était le casque, j'avais rien du tout. Il n'y en a plus. Et lui, c'est pareil, il est haut comme ça. À part les trucs que j'ai gagnés en. Bah, grâce à Ubisoft, donc la tenue d'Enzio, Basim, tiens, c'est sa tenue, ça, en parlant de ça. Altaïr, en fait, je les ai tous presque. Enzio. Donc là, j'ai gagné celle-là. Du chasseur, ah bah c'est bon. Bah, la tenue chasseur, je l'ai complète aussi. Il me manque peut-être que. Non, j'ai ça. Il doit me manquer un bout du chasseur, je sais plus c'est quoi. Le casque, c'est sûr. Les gants. Voilà. Il manque les gants du chasseur. Ouais, et j'ai les bottes. Par contre, ça, je peux pas améliorer mes tenues. Hein. Non. Ah, il me manque du machin là. Je sais plus comment ça s'appelle. Du titane. Est-ce que je peux l'ouvrir la porte? L'autre côté doit être barricadé. Ah, ça sert à quelque chose ça. Ah. Allez, une nouvelle attitude. Après, ceux qui veulent lire vraiment, hein, je vous laisse mettre pause. Hein. Ceux qui veulent regarder les vidéos sur YouTube après, parce que je peux pas tout lire. Surtout qu'on lit tous pas à la même vitesse. Normalement j'ai tout hein. T'es où toi? Tu t'es bien battu, Bernard. C'est comme ça que tu comptes fleurer, Eivor? Comme ça que je quoi? Calme-toi, Dringre. Je te reverrai à grand bruit. Pourquoi elle est accroupie comme une grand-mère là? Bon, troisième. Deux de fête. Maintenant, la troisième, elle se situe ici. Ça, je savais pas ça, j'ai appris ça tout à l'heure là. Je sais pas pour les gens qui connaissent pas trop ou qui connaissent le jeu. Je savais pas qu'il y avait des Valkyries. Mais c'est pareil. Hein. Alors, dans God of War, il y avait des Valkyries, c'était super dur. Et ben là, c'est exactement pareil. J'ai croisé une Valkyrie, elle m'a mis une. Oh, c'est même pas une raclée qu'elle m'a mis, elle m'a mis en deux, quoi. Vraiment le cas de dire, quoi. Elle m'a mis à terre et j'ai queené deux minutes, quoi. Bon, en fait, j'ai pu lui taper, elle esquivait tout. Mais tout. Même les flèches, elle esquivait tout. Elle m'a mis un coup. Un seul petit coup, elle m'a one shot. Donc, je sais pas s'il y a des niveaux dans les Valkyries. Mais... Elle, on va dire, j'ai pas me battre, quoi. Pas tout de suite. Bon, allez go. Là-bas. Ah bah attends, viens. Viens avec moi. C'est moi ou ça a fait... C'était quoi? Ça a bien... Ça a tremblé là aussi, j'ai pas halluciné. Pas une météorite qui est tombée ou je sais pas quoi. On est où là? Je sais que des fois il y a des météorites qui tombent. Non? Bah, je sais pas c'est quoi qui vient de faire trembler là. Fais jamais ça quoi. Quatre de fer. J'ai vu qu'il y en avait une là, je vais sur celle-là. Et là on va pouvoir y aller. Ah mais là ça recommence là. Mais c'est quoi? Pas fou quand même, il y a bien un truc qui vient de se retomber sur la sur le jeu là.
vois-tu, ma vieille amie? T'as un niveau combien, Luc? Je rigole deux secondes. C'est qui que je viens de croiser là, en bas à gauche? 90. Ça va. Mais même à 90, j'arrive pas à les battre. Je sais pas pourquoi. J'arrive à tuer plein de choses, mais eux, je sais pas. C'est, pour moi, je les trouve vraiment forts. Je vais essayer. Mais on va. Ouais, mais je suis vraiment pas assez fort. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Sale vermine! Putain, j'arrive pas, hein. Ah, mais là, faudrait que j'arrive à aller dans son dos. Oh l'enculé! Oh l'enculé! Waouh, waouh, lui, il va être sympa deux minutes, lui. Personne ne se souviendra de toi! Il m'arrive quoi? Il m'arrive quoi là? Je comprends rien là. Putain, j'ai plus le temps. Faudrait que j'arrive. Non, 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 le jeu. Non, non, il veut pas hein, le jeu. Ouah, je tire à 2 mètres aussi. Quelle brêle. C'est vraiment une brêle aussi. Belle une dernière fois, pauvre brebis. Ah oui, j'ai du feu. Ah non, c'est de la poussière. Je vois rien. Je vois rien du tout. Ils vont me tuer, hein. Bah ouais. Je vois rien. Chaud. Mais comment on les défonce? Putain, c'est trop dur. Ah mais même comme ça, je les pète pas. On n'est pas du tout au bon endroit pour se battre. Hein. Oh, il va m'enculer. C'est impossible! Ah non! Non, pas non, pas ça, ça pue ça! Je vois rien! Et comment vous, on le fait pour les taper sans arc? Vraiment, hein? En fait, faut jouer à l'esquive. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est normal, quoi. Ah, mais là! Là, j'arrive même plus à esquiver, là. Ah, bah oui. J'y vois déjà rien, alors fous de la poussière de merde, t'as raison. Tout à fait normal. Et remets-en encore une. Bah oui. Non, mais hey, le jeu. T'es pas un peu dans la bulle, là? Pas un petit peu? Non mais je dis ça, je dis rien. Bah oui. T'es pas du tout dans la bulle, jeu, mais pas du tout. J'arrive à rien faire. Même esquiver, je peux pas. Hein. J'appuie à fond et là. Personne ne se souviendra de toi.
Putain, j'ai même plus de flèche. Belle, une dernière fois, contre ton vie. Ah non, 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 non. Ah, vas-y. On voit rien, c'est fou. Et lui, il voit bien. Hein. Ah, bah lui, ouais, lui, il a un masque. Lui, il a le masque le meilleur du monde, lui. Mais pourquoi lui, il peut me taper et pas moi? Je peux rien faire. Vraiment. Je peux rien faire. Ça devient lourd. Je déteste causer des trucs comme ça. Je veux bien qu'il y a des bonhommes qui sont plus forts que certains. Mais à un moment ou l'autre, quand tu vois là, quand il fait que taper, et nous on ne peut jamais taper, je déteste ça. Voilà. Alors, on voit rien, vas-y, en plus le décor ils mettent pas non plus dans le jeu. Mais putain, ouah, va niquer la race à un moment ou l'autre. Non, jamais. Personne ne se souviendra de toi. Ouah, vas-y, ça m'a saoulé. Je vois rien, c'est... En plus j'ai même pas de flèches. Comme par hasard j'ai un arc qui tire 4 flèches quoi. Même ça j'arrive même pas à le tuer. Lui il y aura moyen. Hein. Lui équipé correctement avec pas mal de flèches ainsi de suite. Ouais vas-y allez hop, on arrête. Ça sert à rien, il va me tuer. En plus là, il me lâche plus. Ouais. Lui avec pas mal de flèches, tout, il y a moyen. Vraiment. Ah, il y a mon loup, c'est un vrai connard. Ah, c'est bon. Il y a pas des flèches autour là? Ah, bah oui. Un génie. Un génie, je vous le dis, moi, un génie. Non, ça sert à rien, allez. Je leur battrai plus tard, ça sert à rien alors. Lui, je peux l'éclater quand je veux. Bah, quand je veux. Équipé correctement avec tout l'équipement, tout, il y a moyen. Là, c'est juste que j'ai pas assez, je peux rien faire. Rien. Je vais le marquer même, comme ça au moins, je sais que lui, je pourrai le battre. On reviendra, mon copain. Je te le dis. Là j'ai plus de vie, ça sert à rien, j'ai bien eu 3 heures pour esquiver, 3 heures pour qui, c'est... Le truc il est intouchable, c'est... En plus comme par hasard j'ai un arc, il a que 18 flèches, qu'avant j'en avais beaucoup plus que ça. Quoi. C'est quoi ici? Ah bah j'ai même pas assez donc... Ouais, comme ça je vais mourir. Voilà, je l'avais dit. Pas de flèche, rien. Il y a vraiment moyen, parce que l'autre coup j'ai tapé une. Et j'ai pas pu. J'arrive même pas à la toucher d'un millimètre. Que là, j'ai quand même... je lui ai laissé un bon quart. Hein. Même moi, ça me fait chier, là. Laisser ça... Laisser un quart comme ça, c'est un peu nul. Hein. Mais bref. J'ai pas de flèche, c'est toujours pareil, en fait. Hein. C'est bien. Et ma vie? Ah, ma vie, elle est pleine. Moi, donne ma vie, au moins, c'est bien. Faudrait... Allez, casse-toi. Voilà. Pourquoi je prends feu? Attends, tout ça pour... Hein? Mais y'a quoi ici? Ah, y'a un masque. C'est ça qu'il y a. Eh bah tant mieux, m'en fallait un. Il m'en manquait juste un à donner à l'autre. Attends, c'est là-bas. Ah mais c'est là-bas dedans ou c'est... Comment c'est?
Voilà, comme ça je vais voir ce que ça fait de lui donner les masques à l'autre. Voilà, là, mon bonhomme, voilà. C'est toi qui m'énerve des fois dans les assassins, c'est ça. Si tu veux te décrocher quelque part, tu peux pas. Parce qu'il est complètement con. Je laisse cette statue chez moi. Ok, bon, on va rappeler mon jeu et on va aller tranquillement. C'est quoi les points? Oh non, c'est les mecs que tu payes, ouais. On le fera plus tard, je m'en fous. On va aller faire direction la mission. Chose importante. Après, je retourne chez moi, je vais voir le vendeur de. Le petit peu de musée là. Je suis obligé de couper là-haut là. Ouais. Qu'il allait avoir des flèches, des conneries, mais rien du tout, en fait. Tant pis. Il est beau mon loup. Pareil, si vous voulez le loup, le loup gratuitement. Le loup dans le jeu, oui, gratuitement, parce qu'on peut les acheter dans les magasins. Comme lui là. C'est pareil, si vous voulez la chauve-souris gratuitement sans la payer. Alors la chauve-souris, je l'ai eu. Je l'ai eu où la chauve-souris? Ah, je l'ai eu dans les cadeaux qu'ils donnent par semaine. Et le loup, je l'ai eu en faisant le truc avec Odin. Où on doit battre le dragon là. Bah, à un moment ou à l'autre, de le faire plusieurs fois, on gagne pas mal de points. Et les points, une fois qu'on revient dans le monde là, on peut les dépenser. Et dedans, c'était la semaine où ils mettaient le loup là. Donc à la place de payer ça c'est une balle, bah tu l'as gratuit. Et pareil pour la chauve-souris, c'est le premier cadeau que j'ai gagné. Et la chauve-souris c'est pareil, c'est à peu près à 5 balles aussi. Parce que c'est 500 pièces. Et si l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma? Soma a toujours su plaire aux dieux. L'abandonner, trahir ton serment, c'est ça qui nous porterait malheur. Oh les gars, vous avez pas des flèches là? Parce que je suis un peu en dèche là. Ah si, deux flèches, merci. Très généreux, deux flèches. Avec ça... Eivor, je tue la map. Je suis honoré que tu te soignes. Qu'est-ce que tu prépares? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville. Sauf ses hameaux. Il nourrit ses équipes armées de Wigmund. Alors on va brûler ses maisons, en frappant vite et fort, comme les coups de tonnerre de Thor. Comment t'es-tu retrouvé dans le clan de Soma? C'est une vision due à une Volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde, avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années, je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées, en espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement, en vagabond. Recueilli par des Saxons, puis rejeté, encore et encore, jusqu'à ce que Soma me trouve. Seule et nue dans les fens. Elle m'avait tué et a pris soin de moi, malgré mon état. Je lui dois la vie. Les visions. Ça va être dur de trouver qui est qui, en fait. Lequel qui nous a trahis. Je gravissais une montagne. C'est dur. Courbé sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparu et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame, agrippés l'un à l'autre, serrés. Je sais que je peux paraître distant, hanté, mais les dieux sont sans cesse parmi nous. Et mon devoir est de protéger Soma de leur courroux. Qu'est-ce que tu penses des autres, Leif et Birna? Leif est un marin talentueux, même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien...
Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies quand Soma l'a sortie de la fange. Birna est de mon clan, et je combattrai à ses côtés, malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. Ok. Ouais, bah ça revient au même, j'ai toujours pas lequel, ça peut être le trèfle. Hein. Maintenant, chassons les rats de Wigmund de Cerno. Allume tes torches et enflamme tes pointes de flèche, Eivor. Bon, on est bourré de la gueule à qui là? Attendez, je bouffe des buissons, là je fais la tortue. Voilà. Aïe, c'est un sacré pont ça. C'est pas avec mes deux flèches que je veux entuber tout le monde, hein. C'est la vérité. Je veux que chaque maison brûle. Voilà leur récompense pour avoir aidé à priver Soma de grandes flèches. Pour avoir léché les bottes de l'Elderman. Hop, pourquoi si je fais pas comme ça, ça m'arrange. Attends, j'ai vu qu'il y avait des flèches là. Voilà, 12 flèches, 15 flèches. Attendez, je mange des buissons. T'es encore en train de te battre contre lui, toi? Putain. J'aurais un truc de froid quoi. C'est qui toi? T'es un méchant ou t'es un gentil toi? Non, t'es un méchant toi. Là, j'ai voulu me dépêcher parce que lui il arrivait. Oh, je crois que le marteau dans la tête. Ah, les actions dans le jeu, je les adore quoi. Ils sont beaucoup moins doux qu'avant. Il va où? T'es allé où toi? Faut pas s'envoyer se fuir comme ça. Le mec il a un bouclier, on a rien à foutre. Quoi ça? Pas compris ce... Se fondre où dans le bâtiment? Le même bon musée. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même plus où aller. Tirer des fois. Des fois j'ai fait des trucs de malade comme je disais. Et des fois là il veut pas. Apportez leur tête à l'Elderman Wingmoon. Je vais nourrir les asticots.
Tu veux nourrir les asticots? Trop gentil, toi. Attends, je vais te ranimer, toi, parce que toi, t'as une tâche aussi, toi. Voilà. Merci. Ah, merci, ouais. Se fondre. Putain, mais il y en a déjà un autre à terre. Mais c'est quoi cette équipe de bras cassés là, vraiment? Putain, laissez-moi appeler mes gars, quoi. Et ranimez-vous surtout pas entre vous. Mais vraiment pas, hein. Ça vous écorcherait le trou de cul de vous ranimer entre vous. Ah ouais, tombez tous comme des merdes aussi. Vous avez raison. Passez mon temps à vous ranimer. J'ai que ça à foutre. Hein. Il est où l'autre qui est par terre? Il y est plus? C'est quoi ça? Pourquoi il y a un gros truc bleu là? Je comprends pas. Un bon, là. Ah, c'est pour ok. Vous allez la foutre en feu la baraque ou vous allez attendre l'année prochaine? De cuir, ça va trop content. Tu vas l'acheter ta torche ou t'attends l'année prochaine? Je sais pas si moi je peux. Ça marche si je le fais? Ah bon, ça marche. Effectivement. Oh, oh, oh. Mais je dois aller attaquer où là? Moi pas là. Mais notre cher ami veut pas foutre le feu dans la maison, on fait comment? Coincé, j'arrive même plus à sortir. Quoi? Mais j'ai quoi là? Parce que là pour moi je vois qu'il y a tout qui est pété là. Ou je dois être con, j'en sais rien. Mais... Ah il reste un copain. Vous n'arrivez pas à faire le copain? Attends, il a blessé l'autre. Non. C'est vraiment des quiches les mecs, hein. Je vous jure. Ah oui, ça a marché. En fait, je sais même pas vraiment que moi je pouvais foutre le feu aussi au...
au truc. Il est où le copain? Attends, mais va pas dans la maison que j'ai foutu le feu. De quoi marquer les mémoires. Et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. La Russie est piétinée comme Sourtre l'Ardent en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Drengr. Ouais, on a regagné 2 points. C'est quoi que j'ai en inventaire? Oh, je peux monter. Vas-y, je vais monter ça. Il faut aussi que j'ai des flèches. Cinq masques, ça faut que j'y ramène un autre, faut que j'y pense. Là, tout ce que j'ai à vendre, là, c'est pas mal. Compétences. On va mettre le loup, tiens. Et c'est le loup. Tiens, la santé. Aptitude, j'ai débloqué un truc en aptitude. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi que j'ai débloqué? D'accord. Et moi, j'ai quoi? Je m'en sers jamais des trucs. Ok. Oh, on va mettre celui-là, c'est rigolo. Attends. Merde, je voulais pas faire rond. Bah, c'est quoi que je viens d'enlever? C'est quoi que je viens d'enlever? Ça? Non, lui il est en bas. Lui? Bah, non, lui il est à gauche. Lui? C'était ça? Bah non, il est en haut. Bah c'est quoi que j'ai enlevé? Ça. Ah non, je le remets lui. Il était bien lui. Voilà. Et lui, je vais le mettre... Non, c'est qui? C'est lui. Lui, je vais le mettre... Bon, à la place de ça pour l'instant. Parce que carré, c'est quoi? C'est ça? C'est quoi ça? Hein? Ouais, j'y pense jamais à l'utiliser celui-là. Je vais le garder parce que ça peut être pas mal. Alors. Merde, non, c'était bien là. On doit maintenant aller reparler à madame qui est ici. Ça, je suis une bille. Ça, si quelqu'un peut m'expliquer vraiment la technique pour arriver à gagner vraiment par cœur, bah je l'écoute volontiers. Parce que cette merde là de jouer le jeu à donner des verbes là, je sais pas moi, mais est-ce qu'il devrait être mis? Et ça me dit tout le temps non, bah après je gagne hein. Mais je gagne la quatrième fois quoi. Parce qu'à un moment ou l'autre c'est tout le temps pareil. Y'a pas une technique pour y aller plus vite là, parce que nager comme une grosse merde ça va me saouler quoi. On va faire le coupe-terre. Allez, on va aller là-bas. C'est ici que je me suis battu contre l'autre. On va essayer, hein, on va faire des mises de 100 et puis voilà, comme chez Dave. Hein. C'est sûr, c'est pour moi qui mettrais des mises de 300 dès le début. Hein. En plus, c'est même pas 300, c'est 200.
Normalement, ça devrait faire pire. Il y a un loup de feu dans l'eau. Bon, on va essayer cette merde là, juste pour avoir le truc 3, parce qu'en fait ça joue. Alors moi je trouve ça complètement nul, mais pour certaines missions, il faut le faire. Parce que en fait il faut avoir des niveaux de charisme. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as l'air de savoir te battre. Mais est-ce que tu es prêt pour la plus grande bataille de toute ta vie ? De quoi est-ce que tu parles ? Je parle d'une terrible et monstrueuse puissance désincarnée, dont le nom effraie toute la contrée. Fergal sans visage, le plus redoutable jouteur de tout le Grand Breacher. Oh. Oh. Un jouteur, c'est tout. Fergal sans visage en a fait taire plus d'un. Alors, tu acceptes bon. De l'affronter ? Je vais Allez, on affronte. Le sans visage. Je vous dis, je vais le recommencer au moins 4 fois. Si je le passe en un coup, c'est que c'est vraiment un coup de sens. Je déteste ce truc. Mais il faut pas avoir du charisme. Bien, je vais te donner une clé. Cette clé ouvre la tanière de Fergal, qui se trouve là, devant toi. Devant moi, c'est toi. C'est une maison. J'ai une clé pour t'ouvrir non, toi. Non, c'est un antre de cauchemar. Un puits mortel, auquel bien peu ont pu échapper sans être meurtri. Par les mots. Meurtri, par les mots. Va, va vite. Et que Dieu t'accompagne. Eh ben, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il m'a rien donné, si ? Mais c'est pas un truc de verbe ? Oh, j'ai rien compris, là. Je me suis assis comme un con. Une nouvelle victime ! Qui a l'audace de défier la puissance de Fergal sans visage ? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor du clan du Grand Corbeau, mon prochain repas. Es-tu prêt à te faire étriper par les mots ? Je crois que j'y survivrai. Je suis Fergal sans visage et je suis rusé et fort. Mais pas toi. Tu es gras et faible et je sens d'ici ta lâcheté. Et tu as probablement trop peur pour m'affronter, maintenant que j'y pense. Désolé, tu as commencé ? Mais oui, absolument. J'ai dit que tu avais trop peur pour m'affronter. Alors, putain, je disais rien. Mais ton rime n'est pas bon car tu ne peux gagner. Je n'ai jamais entendu un traître d'esprit si tu ne pourrais même pas gagner contre un nouveau-né. Pouah, j'en sais rien. On va Mais mettre ton le premier. Rythme n'est pas bon car tu ne peux gagner. Ah, tu penses pouvoir vaincre avec des rimes ? Eh bien, si tu aimes les rimes, écoute bien ça. J'ai de l'esprit, et mon verbiage aussi. Et je crois ainsi que j'aurai bientôt réussi. Ton talent est plat, tu ne me vaux pas. Tu miaules comme un chat et tu ne gagneras pas. Avant quand même que tes formules manquent d'éclat, dis le joueur qui se cache quand même, vieillera. Dis le shooter qui se cache comme un vilain rat. Oh, tu as fait une terrible erreur. Prépare-toi pour le coup fatal. Je suis le meilleur à la joute. J'ai un énorme talent. Futé comme la pie, rusé. Je comprends rien, comme je vous coupie. Jure. C'est un truc que j'aime pas, ça. Je sais même pas si j'ai gagné ou pas. Bah, si je gagne ou pas, là. Puis t'achever lentement avec tout mon talent. Je sais pas quoi mettre. Si tu penses pouvoir gagner contre moi, je dois dire que jusqu'ici c'est peu probant. Tu. Je. Attends un instant. Il faut que je réfléchisse. Laisse-moi un peu de temps. Fergal sans visage ou Fergal sans esprit ? Non. Prépare-toi. Le coup de grâce est. Il arrive. Il. Fergal. Eh oh. Et j'ai gagné quoi ? Ah bah j'ai gagné. Ok, bah voilà. Genre des fois j'ai des trucs, mais alors... J'ai gagné.
J'avais fait 1, 2, 1. Voilà, pour ceux qui veulent savoir s'ils font celui-là. J'ai fait le premier, après le deuxième et après le premier. Donc si vous tombez sur celui-là, si vous voulez essayer de le gagner comme moi, bah c'est 1, 2, 1. J'ai pas fait une seule fois le troisième. Y'a rien dans cette baraque là ? Non. En fait là on gagne pas d'argent, on gagne rien, on fait gagner juste un mec qui se sauve en courant. C'est magnifique. C'est sympa. Ouais, je l'ai gagné au moins. C'est plutôt bien. Donc là j'ai le charisme à 3, donc maintenant si des fois je dois demander des trucs à des gens, bah je peux le faire. Parce que chaque fois je me fais avoir sur ça. Tu n'obtiendras rien de moi. Mais c'est chiant, Eivor, même. Ça a marché. Que des fois, je suis obligé de payer. Capitaine de Wigmund. Il reniflait du côté de Durolipont. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon, il se cache où, ton papa ? Saleté de païen. Grand Bridge est la province du seigneur Wigmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur ? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les vergers avec son sang. Mon dieu, non, non. Il est sur l'île d'Elie. L'Elderman Wigmund. Vous êtes pas très bavard dans le chat, les gars. Je le jure. Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudite demeurée de Danois. Le seigneur vous chassera de ces terres. Tous. Que Dieu ait pitié de... Il l'a tué ? Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Elie. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Il a choqué tout le monde, le mec, quoi. Il a pété un plomb, là. Mais je l'ai même pas vu comme il l'a planté. Merde, je peux pas le prendre, moi. Bon, tant pis. Tiens, on va le mettre là. Est-ce que je peux le mettre là ? Oh, non, bah, je sais pas. Putain, tu peux jeter un bonhomme. En vrai, jeter un homme, c'est quand même très dur. Hein. Faut quand même jeter un mec à bout de bras, c'est waouh. Surtout un corps bah, mort, quoi. C'est-à-dire tout son poids est beaucoup plus lourd que s'il était... qu'est-ce que je dois faire, moi ? Ah, là-dedans. Okay. Ah, je mets des choses. C'est quoi ça? Oh, pareil, hein, je vous laisse mettre pause pour les gens qui voudraient lire sur YouTube ou une connerie comme ça. Je vous dis, j'ai pas vraiment envie de lire. Ça, mais... Bon, toi, qu'est-ce que tu fais là, j'ai toi? J'ai fait un long chemin pour me joindre à ton équipage, Eivor. Bah non, je veux pas de toi. Pourquoi je recruterais une personne ici, en fait? Et surtout à Partor, niveau 1. Je serai prête quand tu auras besoin. Que j'ai une team, après c'est que Guigny et des rangs 2. Alors, il y a le grand de... Eivor, qu'avait à dire le petit homme de Wigmund? Wigmund est au monastère de l'île d'Elie. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris ? Oula, je sais plus moi là. Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Ah ouais, là je sais pas. Birna a été contrebandière.
Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien. Leaf envie ta place et regrette de ne pas s'être porté volontaire pour diriger. Leaf jouit d'un rang élevé dans le clan. C'est un constructeur de navires hors pair, et il sait que j'en suis consciente. Leaf critique ta manière de diriger Grand Bridge. La ville est prospère sous mon commandement, notamment en tant que port pour ses navires. Leaf m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune. C'est une couleur difficile à produire. Ce vol l'a beaucoup agacé. Ah oui, je me rappelle la peinture jaune, oui. J'ai trouvé un tonneau de peinture jaune, vide, près d'un site de mise à l'eau. Cette peinture a servi à marquer un navire la nuit de l'attaque. Étrange moment pour passer une couche de peinture. Mais c'est son métier, non ? Ouais, t'es un peu trop gentil comme meuf, toi. Galine place ses visions au-dessus de tout. Cela tient de l'exaltation. Les visions sont comme les nuages. Chacun y voit quelque chose de différent. Et Galine y voit un message important. Galine m'a dit qu'il était proche de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé. Oui, les gens le croyaient maudit. Il dérivait en eau profonde. Mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage, n'est-ce pas ? J'ai trouvé un message adressé aux forces saxonnes. Il disait de ne pas attaquer un navire peint en jaune. Nos navires n'utilisent pas de jaune, sauf pour quelques menus détails. S'il y a un navire jaune dans les Fens, je veux le savoir. Ouais, bah là, j'ai rien, alors. Je vois pas quoi dire, là. Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi ? Oh ! C'est peut-être qui ? Ouais, je veux pas y mettre pour l'instant. Je veux pas accuser quelqu'un. Bien sûr. Parcours le comté à la recherche d'indices. Et parle à qui tu voudras. Moi, je pense. Moi, je pense que c'est l'autre avec la peinture jaune, là. Moi, je pense que c'est lui. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Attends, parce que là, maintenant, il me donne quoi en indice ? Je dois faire quoi, là ? Ah, les gars, il me donnait aucun endroit, là. C'est quoi ce délire ? Ben non, j'ai aucun endroit là. Comment je peux trouver qui est qui ? Rencontre au chemin. J'ai loupé quelque... Attends, c'est où déjà que j'avais vu ? Il y avait l'autre là, qui est bateau là, c'est juste c'était tête, qui toi ? Tu as vu quelque chose de curieux la nuit de l'attaque ? Maintenant que j'y pense, j'ai remarqué qu'un des navires n'était pas à sa place habituelle. Il était sur la berge, plus au nord. Où exactement ? Au nord-est d'ici, le long du rivage. Mais c'était il y a plusieurs jours, il n'y est peut-être plus. Attends, il a dit où ? Pourquoi il me dit d'appuyer là, j'ai pas compris. La puanteur de la traîtrise. L'un des trois proches conseillers de Sona est très terrible. Ok. Ça c'est quoi ça ? Ah mais là c'est pas ça que je veux savoir moi. Je me rappelle jamais plus où il a dit, ça me fait chier.
Il a dit en bas de l'eau, là, dans le nord. Mais attends, mais comment on... Il a dit dans le nord, hein. Nord machin, là. Donc à peu près style par là, là. Je crois que c'était nord-est. Voilà. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de curieux du côté de Grand Bridge avant l'attaque? Non. Je suis restée dans la maison longue toute la soirée, à boire avec Birna et ses hommes. Elle a une bonne descente. On va faire le tour du village, là, pour regarder qui peut me parler encore. Et j'irai voir dans le nord, comme il a dit, là. T'es qui, toi? Bonjour et bienvenue. Ah, mais toi, t'es un marchand, toi, je m'en contrebranle de ça. Bon, tu regardes, je vais prendre le plaisir quand même de vendre. Tu m'apportes toujours des choses étranges. Bah oui, j'apporte toujours des choses étranges, hein, d'ivoire. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. On va acheter ça comme d'hab. Comme c'est un truc que je dépense énormément. En fait, la peau et le fer, c'est les deux trucs qu'on achète vraiment beaucoup dans le jeu. Donc là, je vais m'acheter deux. On dirait que tu t'attends à des ennuis. Cela te permettrait de faire des envieux. Il me vaut exactement les mêmes choses que j'ai dans l'autre, en fait. Ceci te donnerait un air très puissant. Ah bah si tu le dis. Et c'est pas pour ça que j'achèterais. Ceci pourrait être très utile. Voilà, et là on va acheter tout ça. Comme ça j'ai du métal, j'ai de la peau, je monte un truc, j'ai plus rien. Tu as raison de faire des réserves. Voilà, je... Tu as tout regardé? Ouais, j'ai tout regardé. Je dois me mettre en route. Au revoir. Donc là, normalement, je peux améliorer quelque chose. Je peux améliorer plein de choses, même. Je peux améliorer ça. Ou lui. Ouais, lui aurait le casque. Voilà. Et voilà, tout ce que j'ai acheté, j'ai déjà pu. J'ai du travail qui va t'intéresser, je le sais. Jette un coup d'œil. Hein? Et surtout, reviens quand tu veux. Ah, j'ai pas vu que t'avais la couleur du petit foulard. Il bosse qu'avec des gamins, le gars. Ouais, bon, on va aller. Y a personne d'autre, hein. Je vais quand même regarder dedans. Ah putain, je suis bloqué dans quoi là? Oh, laisse-moi joindre mes forces au tien. Ah non, c'est celui que je dois acheter, ouais. Partor, je serai prête quand tu auras besoin de moi. Non, non, mais tu seras jamais prête, je t'achèterai jamais. Je vais pas acheter un bonhomme qui est moins fort que les miens. C'est complètement con. Bon, on va aller voir là-bas dans le nord alors. Parce que là, j'ai plus aucun marquage. Ah, si, j'en ai un. As-tu vu quelque chose la nuit de l'assaut? Seulement Leaf, qui s'est bien battu. Tu sais que Leaf grave un poème sur chacun de ses navires? Il manie aussi bien le bois que les mots. Où sont ces navires maintenant? Perdus dans les brumes des Fenlands, hélas. Si je pouvais les retrouver, je le ferais.
Il serait si reconnaissant qu'on lui rende ses œuvres d'art. Certainement. Bonne chance à toi. Pourquoi il me dit ça ? Je comprends pas le délire là. Pourquoi chaque fois il m'envoie là ? Ils me disent des fois de mettre la carte, mais moi je vois rien. Hein. Vraiment. Ouais. T'es qui toi? Pourquoi j'arrive pas à lui parler? Eh bien, tu n'as plus rien d'un rayon de soleil? Quelque chose te tracasse? Je m'interroge sur plusieurs choses. Ce doit être difficile de servir quelqu'un qu'on aime autant, mais qui n'a pas les mêmes sentiments. Certains jours, ça fait très mal. Il faut que je pose la main sur mon cœur pour l'empêcher de traverser ma poitrine. Tu as fait de la contrebande. Avec un tel passé, les gens doutent de toi. Oui, je sais, et l'eau s'amouille. Quand une occasion se présente, je la saisis. Et jusqu'à présent, Soma en a profité. Elle sait qui je suis, et ce que j'ai fait. Elle a confiance en moi. Qui mieux qu'elle est capable de discerner la vérité? J'ai trouvé une lettre disant aux Saxons de ne pas attaquer de navires jaunes. Aucun de nos navires n'est peint en jaune. Du moins, je le crois. Que s'est-il passé la nuit de l'assaut? Les gens étaient paisibles. La nuit était belle, malgré le brouillard. Puis les Saxons sont arrivés, et Soma a rugi comme une ours. Quand elle a annoncé la retraite, nous avons couru vers les navires en vue de nous regrouper dans les marais. C'était une embuscade. Ok. Ah, là, quelqu'un de la ville a mené les Saxons par le tunnel de la Maison Longue. Où étais-tu lorsque les combats ont commencé? Je buvais avec mes guerriers dans la Maison Longue. Quand les Saxons sont arrivés, je me suis battue. Je n'aurais pas pu montrer le tunnel. Toute cette journée, j'ai été entourée de gens. Oh, Dieu, les... oh, et oh, j'ai pas fini, moi. Te revoilà. Écoutez la gueule, elle. Ah, si, on a fini. Ok. Il faut que j'y aille. Ouais, moi je dis pas que c'est elle. Je pense pas que c'est elle. Ces sacs appartiennent à Birna. Elle prévoit un long voyage. Hein? Ces sacs appartiennent à Birna. Elle prévoit un long voyage. Ah. Ah ouais, là c'est un peu plus bizarre là. Ah, j'en sais rien, c'est chiant de pas savoir. On continue de faire le tour parce que faudrait que je trouve les deux autres. Ils peuvent être où les deux autres? Il y en a un, c'est un... Il y en a un, elle m'a dit, c'est... Bah, elle, j'ai trouvé. Il y en a un qui fait des navires. Et l'autre, c'est quoi, déjà? Il fait quoi, le troisième? Ouais, mais là, je peux... Ça sert à rien. C'est quoi, ça? Ah, des flèches, ok. Bon, normal, des flèches, là. Tout le monde stocke leurs flèches ici, c'est... Ah, attends, il est où le deuxième point? Je viens de voir qu'il y avait un deuxième point. Ah, je les vois pas comme ça. Le troisième point, il est par là. Je vois les trois, ça y est.
ferait bien de se méfier. Voilà. Ah non, faut pas là du tout. Oh, putain, c'est où? C'est dur à trouver, hein. Là, franchement, savoir qui est qui. Surtout, c'est dur de dire, bah tiens, c'est moi le traître, en fait. Quelle surprise. Je me demandais. Ces visions à propos de Soma et toi, comment les interprètes-tu? C'est une question troublante. Je crois qu'elle signifie que Soma me conduira à la grandeur, malgré les embûches. Elle est liée à mon destin. C'est lui que je trouve le plus bizarre, moi, je crois. Pourquoi étais-tu presque mort quand Soma t'a trouvé? J'ai quitté mon clan pour suivre ma vision. Les plantes sacrées m'ont embrumé l'esprit. Mais j'espérais avoir d'autres révélations. Bah, je sais pas si c'est lui qui fait les bateaux. Tu ne comprends peut-être pas, mais Soma, elle, comprend. Elle sait que les dieux ont des projets pour moi, qui justifient tous les risques. J'ai trouvé une lettre de Wigmund adressée à ses troupes. Elle dit de ne pas attaquer l'un de nos navires peints en jaune. C'est étrange. Seul Leaf a ce qu'il faut pour changer la couleur de nos navires. Tu devrais lui demander. Ah, donc c'est le troisième qui fait les bateaux, alors. Donc c'est le troisième qui a des chances. Moi, je pensais que c'était lui, mais c'est pas lui qui fait les bateaux. C'est le troisième. As-tu vu quelque chose d'étrange au début de l'attaque? Ah, oui. Une vague de Saxons au cœur de Grand Bridge, comme par magie. Aussi étonnant qu'une truite qui parle. Je me suis battu au seuil de la mort, de cette nuit à la suivante. Et tu as vu la fin. Les loups ont bien failli m'avoir. Ok. On va essayer aussi avec lui, hein. J'essaie de découvrir qui a vendu Soma aux Saxons. Ton aide me serait utile. J'aimerais pouvoir t'aider. La nuit de l'attaque, je méditais sur la berge, loin des regards indiscrets. J'étais seul cette nuit-là. Et jusqu'à ce qu'apparaissent les Saxons, je n'ai rien vu qui sorte de l'ordinaire. J'espère que ça te va. Ok. Tiens, ne laissons nos pales, lui, parce que je suis énervé. Lui, il a rien, lui. C'est pas comme l'autre où elle avait un sac. Hein? C'est qui, lui? Salut à toi. Tu as vu quelque chose d'étrange la nuit de l'assaut? J'ai vu quelqu'un quitter Grand Bridge pour rejoindre le rivage juste avant le début des combats. J'ignore qui. Il faisait trop noir. Trop bizarre. Encore une fois, trop bizarre. C'est là qu'il parle chaque fois, non? Je sais même pas où c'est le... qui parle. Attends, y a rien vers lui, là? Il a lui à parler. Il n'y a rien qui traîne autour de chez lui. Non. Attends, mais on peut leur reparler, je comprends pas là. Le revoilà. Non, ok. Il faut que j'y aille. Maintenant il faut le troisième. C'est là où c'est un peu plus. Mais il faudrait que j'aille aussi au truc de la flotte là. Et je vois pas où ça peut être. Par là. Et après on va parler au troisième. Je vais aller voir si c'est là. Là je voulais mettre le radar parce qu'il faudrait vraiment que je trouve s'il y a des gens. Sans mes nous ici.
Bah non, c'est pas là du tout. C'est pas là que j'avais trouvé le bateau avec la peinture. Ah, c'est pas là du tout. Je sais pas où c'est, mais c'est pas là. Attends, on va essayer de trouver le troisième, là. J'ai suivi le bateau, mais je savais pas que c'était la suite de ça. C'est qui, là, déjà? Alors, c'est lui, ok. Bon, bon, j'aurais dit. J'avais pas vu que j'étais déjà là. Putain, ça pue trop le bateau. J'ai envie d'aller voir le bateau avant d'aller parler à l'autre. Vraiment. Attends, je regarde s'il y a personne en haut. Tu vois, moi, là. Voilà, il fait le con, comme d'hab. T'es qui toi? Il m'énerve qu'il veut pas rentrer dans le trou, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est le bug? Il est coincé? Oh vas-y, je vais péter un plomb. C'est une blague, hein, des fois le jeu. Hein. On en parle, je me coince. Heureusement que j'ai ATP juste à côté. Hein. Oh, je l'ai vu le caillou, je pense qu'il y allait. Mais là, toutes les personnes qui me regardent sur le live, vous avez déjà toujours joué au jeu ou pas du tout? Ou c'est de votre grande première? Vous avez jamais? On va essayer de pas cette fois se recoincer. Hein. Ça a été plus vite par là. Allez, descends, tu fais chier. Hop, ça c'est fait. Double 5, je repars là parce que je viens de là. Donc maintenant, on va regarder ici. T'es qui toi? Ou attends, ça y avait pas elle. Viens là toi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange avant l'assaut contre Grande Bridge? J'ai vu deux Saxons passer à cheval près de la ville. Un en direction du monastère de Meldebourne. L'autre du campement d'Utbeck. Ce devait être des messagers. Je n'y ai pas prêté attention parce qu'ils ne venaient pas ici. Mais pourquoi chaque fois ils me disent une nouvelle info
comprends pas trop, Asuko. Eivor, le vent semble avoir abandonné tes voiles. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me demandais. Tu m'as dit que tu désapprouvais souvent les décisions de Soma. Oui, mais je les suis. C'est mon devoir envers le clan et Myarlskona. L'honneur d'un homme repose sur ses actes, pas ses souhaits. Tu as dit qu'on avait volé ta peinture jaune avant l'attaque ? Oui. Et le pigment jaune n'est pas facile à mélanger, ni même à obtenir. Si je tenais celui qui me l'a volé... J'ai trouvé ton tonneau de peinture jaune près de la rivière. C'est vrai ? Il a été volé dans mon atelier il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé sur la berge. Il était vide. Qu'as-tu ressenti quand Guthrum a nommé Soma à la tête de Grand Bridge plutôt que toi ? S'il était facile d'être honorable, il n'y aurait pas de mauvais homme. C'est un titre que je convoitais, oui. Mais pas au point de piétiner mon honneur. J'ai trouvé cette lettre curieuse, disant aux Saxons de ne pas attaquer de navires peints en jaune. Je n'ai jamais peint de navire en jaune, à part pour quelques détails. C'est trop cher, le jaune. Et je ne sais rien de cette lettre. Pourquoi il est nerveux, là ? Comment s'est déroulée la nuit de l'attaque pour toi ? Je travaillais à l'atelier de construction. Ensuite, j'ai vu la ville qui brûlait de l'intérieur. Soma a dirigé la retraite. Leif, quelqu'un a montré aux Saxons le tunnel menant à la Maison Longue. Où étais-tu lorsque l'attaque a commencé ? Et que faisais-tu ? Quand les combats ont commencé, j'étais dans mon atelier à décorer une voile pour nos alliés de Grimsby. Sans ma peinture jaune, quand Soma m'a dit de battre en retraite, la ville était déjà attaquée de l'intérieur. J'étais loin de ce tunnel, extrêmement loin. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que... Là, trouver les... lequel et lequel, c'est trop compliqué. Vraiment. Mon Dieu. Bah c'est peut-être elle alors hein. Y'a que elle qu'on a trouvé un truc chelou chez elle. Ou on a trouvé des affaires pour partir loin. Faudrait que je refouille correctement dans les maisons, voir s'il n'y a pas un... de la peinture, je sais pas. Là je vois vraiment pas. Ah ouais. Ah, ta maison, elle a pris un peu cher. Au moins, ton lit, il est pas abîmé, hein. Tu peux quand même encore dormir. Hein. Après, le reste, ouais. Ça fait un peu chier pour toi, mon ami. Ok. Je vais regarder si on peut passer par là. Il y avait un endroit où j'avais vu où j'avais suivi un mec en bateau, mais je sais plus où c'est. Je sais pas quoi. Ah là-bas, c'est quoi là-bas? C'était un bon navire, digne d'un chef.
Ce devait être celui de Soma. Ouais, ça fait quoi? Ouais, là. Une plaque qui l'a marqué, quoi. Et ça change rien. Là. Et lui, il en a pas de plaque. Non plus. Non. Putain, j'en sais rien là. Ça devient tendu leur histoire. Hein. Bah, je vais prendre mon clébard. Là, je vais par où, là? Là, je vais par l'eau. Donc, c'est là où je suis, Velga, je crois. Hein. Je me trompe pas. Hein. Non, peut-être pas, en fait. Je sais pas du tout, là, sur le coup. Il y avait un endroit qui m'emmenait... au bord de l'eau, là, que j'ai suivi, mais je sais plus où c'est. C'est où que j'ai vu qu'il y a une clé là, là. Ah, c'est pas la même facha ça. J'ai déjà fait ça. Ouais, j'ai déjà ouvert sa maison. Il y a plein de chats. Là, je suis perdu dans le truc. Quoi? Ce tunnel mène à la maison. Le traître l'a marqué d'une croix jaune. Et cette croix a guidé les ennemis à l'intérieur. Le traître a dû sortir ici avec quelques autres pour s'éloigner, en direction de la berge. De la berge. Est-ce que je dois continuer par là? Serpents. Et eux, ils ont rien eu. Ok. Mais là, ça me donne toujours pas de... Putain, là, je sais pas où regarder. Mais il y avait un endroit où je voyais le... Putain, c'était où?
J'avais un endroit avec des seaux là. Je crois pas que c'est là. Je sais plus où c'est, où je suivais une, mais une peinture jaune. C'est pas ici. Non, c'est pas ici. Hein? Là, sous le coup, je... C'est le bateau. Ok. Ah non, l'autre, je sais plus quoi. Je sais plus où regarder là. Putain, y a pas un truc là? Et mon bonhomme, il est con. Je retrouve plus où c'était avec le bateau là. Avec la peinture, je veux dire. Ah, c'était là. C'était ici. Et j'ai retrouvé. C'est là que j'ai retrouvé la peinture tout. Ouais, mais là, ça va me faire quoi de plus? On est où là? Ouais, c'était bien là. Ça change rien. Ah, il est là le pot de peinture. Qu'est-ce que je pourrais chercher ici? Aucune information. Que je peux nager là, juste devant là. Là, sous le coup, je sais pas du tout. Hein. Là, je sais pas. Franchement, je sais pas qui est le trahi. Après, je donnerais quand même peut-être un petit 60% à la fille. Vraiment. Parce que moi je trouve bizarre qu'elle fait des bagages, je presse barré. C'est ça en fait qui me choque. Et c'était où déjà que j'ai vu l'entrée? Je sais même plus. Ah,
C'est par là, non? Là, il parlait de quoi, de l'arrêt? Là, tu les vois courir là. Si on va tout droit. Ouah, je pense pas qu'ils ont couru là-bas, non? Y'a quoi en face? Non, mais ils ont pas couru jusqu'à là-bas non plus, quoi. C'est quand même pas des demeurés, quoi. Formez-nous, là, par là. Ah, peut-être... Je dis ça, mais on est... Ça emmène l'eau, là. Guide-moi, Zénith. Merde. Ouais, je sais pas. Là, sous le coup, je sais pas quoi. Je vais voir c'est quoi cette clé. Et après, on va retourner au village, hein. On va aller voir avec elle, hein. J'ai peut-être eu assez de... Mais moi je pense quand même que ça va être la fille. J'ai pas envie de faire le coup et la drosser pour rien. Parce que je sais pas ça fait quoi si je dis une erreur. Merde, elle est où? Bon, on va aller voir, hein. On va aller parler à elle. Hein. Putain, je sais pas. Hein. Mais j'ai pas envie de dénoncer. Et derrière. C'est pas la bonne personne. Je sais tous les trois. Un truc là? Ah non, j'ai cru voir autre chose. Des flèches. De reparler, on va voir. As-tu rassemblé assez d'indices dans le Grand Ebridge? Oh bah j'en sais rien si j'ai annoncé assez de trucs, ma cocotte. Es-tu prêt à désigner qui a trahi? À propos, Brian. Birna buvait dans la maison longue quand l'attaque a commencé. Il y a les témoins. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui s'attend à une attaque. Eh ben, ça déjà commence mal. La nuit de l'attaque, Birna a préparé son départ. Tu crois qu'elle voulait nous quitter? Elle était prête à partir, en tout cas. Ah, voilà. Pour moi, c'est ça. Leaf m'a dit qu'il travaillait dans son atelier la nuit de l'attaque. L'atelier est exposé et éloigné de l'entrée du tunnel.
C'est loin d'être idéal pour faire entrer les Saxons dans la ville. Donc c'est pas lui, c'est pas Leaf. Ouais, c'est pas Leaf pour moi. La preuve, elle l'a dit, c'est trop loin. Personne n'est capable de dire où se trouvait Galin la nuit de l'attaque. Il est très étrange. Mais c'est un homme, pas un enfant. On n'a pas besoin de le surveiller constamment. Bah ouais, mais... Bah, on en revient au même, je sais pas. Elle y arrange, elle, hein. Une habitante dit avoir vu quelqu'un courir de la ville à la rivière, juste avant l'attaque. Sait-on de qui il s'agissait ? Non, impossible de le reconnaître dans le brouillard. Mais cette personne devait savoir ce qui allait se passer. Il y a de nombreuses traces de pas près de ton tunnel. Et son entrée a reçu une marque jaune. La personne qui t'a trahi a marqué l'accès au tunnel, permettant ainsi aux Saxons d'entrer dans la ville. Ouais, mais on sait toujours pas. Pourquoi c'est encore blanc ? Et quoi que j'ai oublié ? Vous voyez un truc pas... Je vois pas. Ah non, mais pour moi, je le vois épais. Il y a un truc qu'on a oublié. Je vois pas laquelle j'ai oublié. Ah, si, attends. C'est pas ça ? J'ai trouvé un tonneau de peinture jaune, vide, près d'un site de mise à l'eau. Cette peinture a servi à marquer un navire la nuit de l'attaque. Étrange moment pour passer une couche de peinture. Mais c'est son métier, non ? J'ai besoin de plus de temps. Bien sûr. Je sais pas. Moi, ouais, franchement, je sais pas quoi dire. Et parle à qui tu voudras. Là. Attends. Putain. Non, non. Putain, je me suis emmêlé les pinceaux. Attends, moi, je sais pas quoi faire, hein, vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, j'ai eu peur. Attendez, j'aurais juste un truc.
Donc. Je regarde si j'ai loupé quelque chose. Mais. Donc. Bah, le seul qui est prêt, en fait, la fille. Je sais pas. Elle a des bons mots. Et Leaf. En fait, il me reste que Galine. Et Galine, je sais pas ce qui. Franchement, ça pourrait être lui. Hein. Là, j'ai aucune preuve, j'ai aucun truc. En autre, il faudra que j'en accuse un, mais ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est Galine. J'aurais dit Dina. Parce qu'elle veut se barrer. Mais Galine, c'est le seul. Il n'y a pas un truc avec des preuves, là. C'est le seul qui... Que j'ai rien, vraiment rien. Parce que Leaf, pour moi, c'est pas lui. Je pensais que c'était lui, mais non. Donc, je sais pas quoi faire. Oh, y a un truc en haut. Comment j'ai fait pour le voir? C'est quoi qui est en haut? Comment je monte là? Peut-être par là en fait. Ça y est, il est en mode con. Il va jamais vouloir passer de l'autre côté. Ah, si. Non, pourquoi j'ai fait rond? Ça y est, hey, il est vraiment con des fois le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Remonte. Et pourquoi il saute? Voilà. Bon, allez, faut faire un choix. Je vais vraiment prendre Galine. As-tu rassemblé assez d'indices dans le grand Ebridge? Bah, en même temps, j'en ai plus d'autres de choix, donc ça va être compliqué. Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi? Eh bah, c'est toi, tu t'es trahi toi-même. Allez, je dis Galine, une fois. On dit que c'est lui. C'est le seul que j'ai pas. Après, peut-être que si c'est pas lui, elle va peut-être dire, mais non, c'est pas lui, tu vois, elle va peut-être se défendre, je sais pas. Allez, c'est moi, Galine je dis que c'est lui. Qui t'a trahi. Tu en es certain? Elle fait quoi? Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela? Comme le fait un chef. Attends, si ils sont cons, s'ils savent qu'il est en train de chercher sur ça, il devrait se barrer celui-là qui a un doute. Ma famille, mes proches, aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. T'imagines, je me trompe. T'imagines? Galine,
Tu as osé me trahir, Galin. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables pour moi que plus bizarre. Je n'ai vu aucune trace de ma destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée, la ville souillée et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres? Ah ouais, mais on... Attends, j'espère que c'était ça, hein. Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Eh, j'espère que j'ai fait le bon truc, hein. Elle porte sur l'épaule le fardeau du commandement. Oula. Et sur l'autre, ce qui la lie au sien. Quoi, j'ai Odin qui va me parler. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Alors, qui a le grand devoir contre moi? J'espère que j'ai fait le bon choix, hein. Autrement, c'est qu'elle a tué quelqu'un pour rien. Quelqu'un va oser boire avec moi ? Oh, imagine si j'ai fait de la merde. En plus, il a tué... Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai trouvé chelou aussi. Parce que c'est vrai qu'il a tué... C'est vrai qu'il a tué le mec quand il était en train de parler. Il a même pas cherché à comprendre. Dès que le mec il allait parler, il l'a poignardé. Parce qu'il a dit, ouais, il va jeter un sort. Lui, il est trop bizarre. Il était trop bizarre. Non, non, en fait, je le regrette même pas d'avoir fait ça. Sur les deux cas, il était trop chelou. Bon, continuons la suite. Parce que là, ça a pris déjà beaucoup de temps pour ça, quoi. Mais putain. Mais non, je veux pas me déplacer rapide, je veux enlever ça. Elle veut que je la rejoigne où? Là? Bah, on peut s'emmerder, hein. Il y a un TP juste à côté, pourquoi s'emmerder? Ouais, il était trop chelou. En fait, le côté où il a poignardé l'autre. Et plein d'autres choses. Après, il y a elle aussi. Pourquoi elle voulait prendre ses affaires? Putain, je sais pas. Oh, j'espère de pas avoir fait la boulette parce qu'il y a elle aussi. Hein, qui voulait se barrer. Hein. La fille, hein. Moi, j'hésitais entre lui et elle. Le troisième, lui, je le mettais complètement à part. Le... Leaf, là, pour moi, il avait strictement rien fait. C'est pas où je dois aller? Dans un caillou. Adieu. Pas bien loin. C'est quoi ça? Un coffre? Bah alors là. Pourquoi je reviens avoir plus en plus de chance comme ça, moi? Non mais la chance que j'ai eue d'avoir un coffre ici. Sans faire mon côté de lumière là, sans faire ça là. Des morts. Soma. Eivor,
Malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Il est beau, mon loup. Il fait ouh. C'est à côté ou pas? Ouais, c'est à côté. Allez, mouillez-vous votre cul, vous avez raison. Comme ça, au moins, ça ne devrait pas que vous allez pisser. Trouver et tuer. Oui, mort. Il s'est replié. Au sommet de la colline, je le sens d'ici. J'espère que le paysage lui plaît. Il n'en verra aucun autre. La foudre m'agite les sangs, Eivor. J'entends les voix de nos morts crier le nom de Wigmund. Non, vous êtes quoi, les gens, je casse des cailloux. De ce monastère. Non, mais on en parle là. Même que les parties devant. Les vieux chiens crèvent lentement, Wigmund. Tu n'échapperas pas à tout ça. On est 12 000. Là, si on n'arrive pas à gagner, il y a un problème. Ah, mais j'ai dû attaquer ici, non? Pas attaquer avec mes gars. Ça me dit grave quelque chose. Ah, peut-être. Si j'avais attaqué, c'est pour ça que je connais. Ah, je suis pas fou ce coup. Oula mes gars, salut mes gars. Là, on est nombreux hein, parce qu'il y a son équipe, la mienne. Attends, on est 15 et c'est qui tape moi? Non, mais c'est une blague. Wigmund, pour tout ce que tu m'as pris. À quoi bon? Fatigué. Tapez le pas, hein. Non mais vraiment pas. Vous avez raison les mecs. On est 2000. Et vous en foutez complètement quoi. Merci, avant que je m'énerve. Qu'est-ce que mon gars il fait là tout seul? Il est en train de manger? Même là, le coffre est déjà ouvert. Il est où le copain? Le mec qu'on doit tuer. Autant nombreux quoi. Voilà, barbichette.
J'ai besoin d'aide ici. Ils viennent un jour ou jamais? Ah merci, c'était le temps d'arriver. Mais elle vient pas? Il faut venir m'aider! Allez meuf! Merci! Oh mon gars, il est arrivé, il a tout écouté quoi! Je représente une petite mortelle! Arrête de parler! Y'a des mecs en bas là, je sais pas comment. Attends, mais y'a un truc je comprends où je fais exprès. Ah mais c'est un meurtre, c'est chiant ça. Ah non c'est ça, ok. Ah oui. Ah bah le gros con c'est vrai lui. Il veut m'éliminer, me chasser de vos esprits. C'est bien trop tard mec, je viens de te mettre le couteau dans le cœur. Mourez pour moi. Ce n'est pas ainsi que les gens se sacrifient. Leur vie contre la tienne. Hey, Odin. C'est ainsi que font les choses. Leur vie ne compte pas. Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titre. Moi, mon nom survivra. La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais. Mais ton nom sera vite synonyme de fléau. Peu importe, de mon vivant. Mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage. Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs. Soumettez-vous, donnez-nous ce qui nous revient. Le commerce, les richesses, l'héritage, tout. Soumettez-vous. Si ton enfer existe, je suis sûr. Qui dit ça à un assassin, il y a Odin quoi. Il demande à Odin de se soumettre quoi.
Aïe, pas gentil lui. C'est cool que personne m'a aidé. Pour rebâtir des maisons. Tu faisais quoi, meuf, là? Pour rétablir la confiance. Mais tu as un nouvel. Donc là, j'ai tué. Attends. Horde. Donc là, c'est lui que j'ai tué. Ok. Là, dans les gros, je les ai. Ah non, il y a lui que j'ai pas tué encore. C'est qui lui? Patrick, là. On dirait un vieux boucher, non? Oui, il est bizarre. Eivor et son clan. La fin de la tempête est proche. Tu as raison. Je le sais. Mais depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir le beau temps. Ok. Allez, viens, dé. Tiens, c'est le mur, moi. Bon, c'est où le campement là? Parce que moi je suis en train de faire le con, mais. Là-bas, ok. Là, j'ai tout eu, hein. Lui, il a un pote esprit Odin, lui, ça claque quoi. Eivor, tu m'as rendu un énorme service. L'idée de faire venir Galin, d'exposer sa traîtrise, m'emplissait de terreur. Une telle trahison est une forme de mort. Galin s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... J'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Ça, elle me donne, non? Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Jarlskog, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose. Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. De quoi? Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grand Bridge. Attends, qui veut me parler? La fille? Binina? Bah heureusement je l'ai pas tuée. Bah je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'elle me veut? Eivor! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Drengre. C'est Talam qui a mené la charge, et ce fut une vision inoubliable. Nous nous sommes bien battus, et Grand Bridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Oh, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme l'arme dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grand Bridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais non. Qui refuserait ça? Je suis ravi de t'accueillir, Drake. De bien. Ah, elle a mis une cape de Grand Corbeau, en fait. Les affaires sont déjà prêtes. Bah en fait, heureusement que j'ai pas tué elle, parce que je l'aurais pas eu. Ah, j'ai eu un trophée. Choix difficile. Ouais, c'est vrai que c'était un choix putain de difficile. Hein. Parce qu'il fallait pas se tromper. Hein. Imagine, j'aurais tué elle, je l'aurais pas eu dans mon équipe. Ou j'aurais tué l'autre, ça aurait fait quoi? Si j'aurais tué Leaf.
me ramène à Renvi. Autant lui annoncer. C'est vrai, ouais, ça aurait fait quoi, lui? Est-ce que j'aurais quand même eu elle dans mon équipe? Est-ce que l'autre, il aurait avoué que c'était lui qui l'avait tué? Bon, je trouve que si quelqu'un avait fait le contraire. Bon, tiens, comme ça, hop, dégâts légers, dégâts puissants, et hop. 96! Je commence à bien monter, là. Là, je suis aussi fort qu'un guerrier sauvage, là. Donc, c'est pour ça que je commence à lui faire du dégât. Qu'est-ce qu'il racontait, lui? Il veut que j'alloue, là? Ah, que je rentre à la maison? Ah bah, il faut que je rende le compte rendu à ma reine. En fait, c'est vrai que je suis même pas le roi. Mais il est où, mon espèce de frère, là? Bah, le roi, là. Le roi de notre village. Oh, en fait, je suis quand même le roi aussi, quoi. Je suis allé voir vite à l'autre là, je suis curieux sur ça. Igor, tu as vu Wallace? Non. Je sais pas de qui tu me parles, je m'en contrefou. Ah, il rend vie tout à l'heure en fait que je suis con. C'était qui? L'autre avec la sorcière qui croyait que c'était cette femme là qui avait le truc, qui croyait que c'était la reine en fait. Et j'aurais jamais pu la tuer elle. J'aurais jamais combattu contre elle, pas contre la reine. La femme de mon frère, entre parenthèses, quoi. Tiens, je lui ai donné les 5, lui. D'autres objets anciens pour ta collection. Que m'apportes-tu? Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. D'autres objets de ce genre me seraient utiles. Il m'a donné une statue de cheval. Ah, faut que j'en ramène 7 maintenant. Ok. Je pars. Porte-toi bien. Bonum fortunam pour tes aventures, Eivor. Ok. Là, j'en ai pas reçu en fait. J'en ai combien? 55, bah oui. Juste pour emmerder le monde, je vais pas avoir pile la quantité, quoi. Ah. Reconnais-le, Alvis. C'est moi, le maître des mots. Admettre une telle ineptie? Plutôt reconnaître qu'un cercle carré? Oh non, non, je le fais pour toi. Non. Ils veulent chier avec leur truc de merde, là. Il est beau mon arbre avec le serpent. Eivor, si tu as un moment à m'accorder... Petra, qui a-t-il? C'est mon frère. Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. Et cela ne lui ressemble pas. J'aimerais fouiller les bois à sa recherche, mais seul, cela ne donnerait pas grand-chose. Tu veux bien te joindre à moi? Nous couvririons plus de terrain. Mieux vaut partir tout de suite. Par où commence-t-on? Près de Peterborough. C'est là qu'il achète ses liquides de tannage. Et je sais qu'il campe parfois à une croisée de chemin entre ici et là-bas. Bah, je veux le faire, mais c'était pas tout de suite, quoi. On va où? Bah, dis-moi pas que c'est à 2 km, hein, parce que là je vais péter une durite. Hein. Bah, c'est quand même à 2 km. Attends, je fais un truc, meuf. J'ai eu un nouveau truc. Que celle-là, je l'ai déjà en bas. Ouais, c'est joli un cheval. Ouais, allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle monte avec moi? Pas trop classe. Regarde, tu vas avoir la moon toute chaude. Hein. Nous pouvons remonter ces traces. Avec moi, j'ai de la chance, coke, hein. Il n'aura pas fait de folie. Pourquoi? Il y a du genre à en faire? Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. Je t'ai raconté comment nous l'avions trouvé, n'est-ce pas? Oui. Un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson, dans une forêt. Une marque du destin. En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre, il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux.
La merde, c'est où? Là-bas. Oh. Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Eh, descends, ma grande. Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les aurait-il sortis de son sac ici? Ceci mène je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Bah bien, hein, on y va. Hein. Attention, Petra. Regarde ses yeux. Je regardais même pas. Il y a une forte odeur ici. Étrange et envoûtante, que je ne reconnais pas. Il y a une aigreur familière, mais je ne retrouve pas laquelle. Ma surprise, ce con de cochon, là. Ce n'est pas celle de la mort. Elle est presque agréable. Voilà, c'est passé par ici. Pourquoi j'ai un effet de bourré, là? Il semble qu'il se soit préparé à manger. Pourquoi aurait-il quitté son campement? Où a-t-il pu aller? Ça va être dans le monde d'aller chercher celle-là. Il doit s'agir des vêtements de Wallace. Les braies sont mouillées. Il a dû se pisser dessus. Quoi? Quelqu'un a été blessé. Une attaque au couteau, je crois. Qu'as-tu trouvé? Attends, mais elle peut juste m'attendre quand je te barre comme une tarée. Je l'ai vu tout près. Wallace? L'élan blanc. Celui qui m'a conduite à Wallace il y a des années. Il était là. Je l'ai vu. Et comment tu l'as vu? On était tous les deux dedans. Si certaine que je te vois. Il est revenu. Notre gardien est de retour et il nous mène à mon frère. Mais attends, mais t'as fumé ma cocotte là? T'as vu quelque chose en étant en bas? Tu peux m'attendre ou tu cours plus vite que Flash, toi? Ah! Où es-tu? Quoi? Eh oh! C'est un délire, là, ou... L'ai-je perdu, elle aussi? Oh! L'élan blanc? Ah, l'élan. Il saura où elle est passée. Salut, monsieur l'élan blanc. Je peux te tuer pour avoir ta peau? Pardonne-moi de te déranger, seigneur. Eivor, ravi de te voir ici. Es-tu l'élan blanc dont Petra m'a parlé? Bien sûr que oui. Regarde-moi. Alors tu peux peut-être m'aider. Petra a disparu. Je dois la retrouver avant le coucher du soleil. Non, non, Petra n'a pas disparu. Elle est même tout près d'ici, et elle t'attend. Suis-moi. Tu es le gardien de ces lieux. Mènes-tu? Je suis monté sur ton dos. Comment je pourrais dire que je suis monté sur un élan blanc? Et les vallons de Mercy? Non, je vis bien, oui. Je mange, je dors, je me promène, je ne désire rien, et je profite de chaque instant. C'est une vie enviable. Et que faites-vous, Petra et toi, à rôder dans les bois? Vous chassez, peut-être? En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace? Où ça? Où ça? Je me le demande. Est-ce que Petra est près d'ici? Je crains que nous ne l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rester. Non, je dois partir. On parle avec un élan. Si on y garde, retournez dans le Jotunheim! Partez! Waouh. Pourquoi je me tape contre les mecs de. Les géants de givre?
Attends, mais là, on est en train de délire, les mecs, là. Arrêtez de me taper, vous faites mal, là. Sauf là, j'ai une tenue pas la même que l'autre. Aïe, 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 vous me faites mal, quand même. Ouais, wow, mais j'aime pas ce qu'ils sont beaucoup. C'est-à-dire, en fait, je suis tout seul, moi. Allez, 3 en moins. Qu'avez-vous fait, Petra ? Répondez. Plus vite. Hey, Ivor, arrête ! Je suis là. Je vais te faire parler, Petra. Dis-moi que je sache la vérité. Je dois découvrir où tu es. Hey, Ivor, je suis là. J'ai besoin d'interroger cette vermine. Ah. Oui. Allez, viens. Je crois savoir où nous trouverons Wallace. Là-haut. Quoi ? Mais j'ai pas fini de me battre. C'est Trace mène par là. Petra. J'ai rencontré ton vieil ami, l'élan blanc, mais il s'est évanoui devant mes yeux avant que je te retrouve. Tu as été visité ? Quelques instants, oui. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. J'appréciais sa présence. Oh, on a parlé qu'un élan, quoi. Oh putain, mais... C'est un cèdre bien étrange, Petra. Où es-tu ? Eh mec, on est drogué là, c'est un truc de fou là. Hey Ivor, tiens, je suis là-haut. Petra, mais comment fais-tu cela ? Ce n'est pas un tour, j'y pense et cela se produit. Aussi simple que de marcher. Essaie. Mais t'es un dieu, oh. Toi. Mais, comment ? Je vais te montrer. Comment vais-je y arriver, Petra ? Essaie tout simplement. Vas-y, cours en ligne droite. Non, 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 non. Trop loin. Trop loin. Incroyable. Tu as réussi comme ta sinine. Et sans une blessure. Bon, allons-y. Wallace devrait être là-bas. Tu es sûr que Wallace est là? Je ne vois personne. Je crois, oui. Nous devrions demander au lapin. Il doit attends, savoir. Terra, elle est bien comme sûr. Wallace. Elle peut. Oula, putain, c'est. Allez, on est complètement défoncé là, je vous jure. C'est. T'as pas besoin de prendre de drogue dans le jeu. Hein. C'est là déjà que drogué, les loups nous ont attaqué. Oui. Pourquoi je vais aller en poser ? Les esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour nous dévorer. Oh non ! Les esprits des loups se sont éveillés. Bonjour, pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère Wallace ? Mince, celui-là ne parle pas le latin. Petra, vite! Dis-moi, Petra. Un homme qui me voit là, par ici. Je vois, je vois. Merci. Putain, bon. Faites chier, les loups! Bon, regarde! L'élan est revenu! Là, tu le vois? L'élan blanc! Il nous mène jusqu'à Wallace, comme l'autre fois. Je le mais vois. Où, l'élan blanc ? Oui. Oh. Allez, Ivor, poursuis l'élan. Ah putain, j'étais en train de prendre les trucs là, vous faites chier. Non, ne pars pas. Un instant, nous sommes chez nous. Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver. Ah, alors qu'est-ce qu'on regarde ? Wallace ? Espèce de crétin sans cervelle, nous t'avons cherché partout. Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour, cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons d'ailleurs, ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu dans les bois. Alors je qu'est-ce suis monté discrètement, nu comme un ver, pour chercher des vêtements, avant de revenir chercher mes outils.
des champignons, donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Ils peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais... c'est agréable. Je me suis bien amusée aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer, sans les champignons. Pourquoi pas? Mais c'est pas amoureux, que je demande l'autorisation au lapin. Eh ben, les champignons, ne rigolez pas, quoi. C'est des sacrés champignons, hein. Parce que des vrais champignons, le faut pas... ouais. Bah, je sais pas s'ils font vraiment ça, mais... après, il y a peut-être des vrais champignons qui font ça, hein. Bah oui, saute. On est à la maison, là, normalement. On a une rivière qui passe à la maison. Youhou! Louf! Ah, mais on a la sorcière là, pour aller à Asgard. Alors attends, on va mettre mes points avant. 4 points, dit War. C'est généreux tout ça. Alors toi, t'es quoi toi? C'est quoi? Je vais la mettre le loup, parce que j'ai des affaires de loup. Attends, on va regarder un petit peu là. Fléau, allez, ça je le prends. C'est l'arme que j'utilise tout le temps. Et ça, hein. Tout rond. Alors, ah oui, faut que je donne le compte rendu à ma reine. Cela n'a rien de subtil. Tu ne saisis pas la finesse d'une joute bien menée. Cela t'empêche de la... Tu avais placé mes pions ? Oui, en effet. Contente, la nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui. Et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravie de sa venue alors. Beau travail. Deuxième, à nous. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi, mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Chez Olbert, ton père t'a envoyé ici pour apprendre, pas pour enseigner. Alors à ton tour, Eivor, fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours? Oh non! Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée,
et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Au fil de mes voyages, nous avons noué de solides alliances. L'honorable Ceolwulf, roi de Mercie, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarl Skonasoma et les Danois de Grantebridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens. Tu te présentes comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là? Sigurd connaît ma valeur, et il en chanterait autant les louanges que moi. Mais cela n'ôte rien à vos mérites à tous, car je suis ici, chez les guerriers les plus forts et les plus résolus que je connaisse. Ainsi donc je lève ma corne, d'abord à Sigurd, puisse-t-il nous revenir bientôt, et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers. Ouais, il est où, Sigurd ? À Sigurd ! Qu'il revienne nous libérer de toi. Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Skål! Skål! Tu me crois ivre, Ivor? Que je frapperais moins fort si je l'étais. Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Commence à m'emmerder, lui, hein? Il y a assez de gloire dans le monde pour tous ceux qui sont à sa recherche. Et je n'ai aucun doute quant à ce qu'on me doit. Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve. On dirait des Danois. Des Danois? Combien? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens! Que peuvent nous vouloir des Danois? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre! Les autres, restez ici! Mais lui, pourquoi on lui démonte pas sa putain de gueule de merde, lui montrer que avec c'est... moi. Grâce à moi, on n'aurait pas tout ça, en fait. Vraiment pas tout ça. Parce que Sigurd, c'est notre frère. On le respecte énormément. Mais quand même, quoi. Je pense, dernière nouvelle, c'est un peu nous qui a tout fait, quoi. Attends, on est vraiment en train de nous attaquer, là? Je vais me coucher, mais non, je me battre, quoi. La tête, allez. Il court avec la tête coupée. Est-ce que ça réveille ton appétit? Pas rapide. Non mais vous aussi vous voulez jouer à ça? Moi aussi là j'ai jeté le couteau. T'as vu? Oh, on a le feu partout là, non! Une tête en moins, ça fera joli dans notre cour. Je peux arrêter d'avoir des gens qui meurent chez moi? Ça m'arrangerait. Brûlez-moi tout. Qui vous a envoyé crever ici? À ton avis, les dieux. Les dieux. Les dieux de notre côté, mon ami. Ton corps est aussi faible pour le dire. Nous allons l'anéantir. Tu n'as encore rien vu de notre force. Putain, je tombe dans l'eau, c'est de la merde. N'espérez pas repartir en vie. Tiens, regarde, on va même pas enlever la tête, tellement c'est les yeux. Regarde. Oh, faut les juste tuer. Il n'y en a plus. Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis.
D'après leur couleur et leur bannière, ils provenaient du Gateland. Et comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. J'en ai un, moi. Cette vermine rampait vers le fleuve, en espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi nous avoir attaqués? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons... Nous avons besoin d'argent. Oui, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy, ici. Nous avions des ordres. De qui? J'en ai assez dit. Chien inutile, à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors pour la dernière fois, qui vous a envoyé? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Il cherche la mort, Eivor. Donne-la-lui. Ou renvoie nos ennemis avec un message. Qu'ils disent aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Putain, je sais pas, je vais écouter ma reine. Pars, et ne reviens pas. Mais c'est ma reine, connard. Je te remercie. C'est la femme de Sigurd, alors si t'es pour Sigurd, t'écoutes elle. C'est une mort à crédit. Avertis celui qui vous a envoyé du massacre qui aura lieu la prochaine fois. Oh oui. Quel récit je raconterai. Fais-le suivre par l'un de tes éclaireurs. Nous saurons... Putain, c'est un bâtard, lui, hein. Ta pitié nous met tous en danger. Elle nous aurait fait passer pour des lâches. C'était la seule fin possible. Mais nous aurions pu en apprendre davantage en le suivant. Maintenant, nous ne savons rien. Sigurd aurait agi comme moi. Non. Je n'ai pas besoin d'autres justifications. Sigurd n'était pas là pour prendre cette décision. Moi, je le suis. Et si tu recommences, je lui raconterai tout. Je vois en toi, Eivor. Je sais bien qui tu es. Putain, je peux plus, lui, hein. C'est lui qui va nous trahir. Ce que dit Dag. Il montre les dents, mais il ne mord pas plus qu'un chiot. Qu'on nettoie cela. Ensuite, nous parlerons de nos prochaines actions. Et nous, on a la classe quand même. On dort dans le plus beau lit, dans la plus grande chambre. Même le roi ne dort pas là. Bah Sigurd ne dort même pas là. C'est ma chambre quoi. Bah après la porte est un peu ouverte donc tout le monde peut me regarder dormir quoi. C'est quoi déjà ça? Ah, tout ça qui me reste, attends. Pourra, maison de Carrie, maison de Marida, extension de élevage de bétail, extension de ferme de graines, élevage de volailles. Voilà. C'est ça. Et on va prêt. Bonjour, Eivor. Tiens, Albert. Tout va bien? Oui, mais j'aurais aimé être à la hauteur du défi qui était devant nous, au lieu de me cacher ici, dans la maison longue. Tu étais exactement où tu devais être, à veiller sur la population et sur toi-même. Je sais bien, mais... Nous avions assez de force à l'extérieur, et ton père ne m'aurait jamais pardonné s'il t'était arrivé quelque malheur. Je sais. J'aimerais seulement que l'ombre de mon père ne nuise pas à mes perspectives ici. J'ai envie d'apprendre auprès de vous, et non pas observer. Je n'en doute pas. La prochaine fois. Ravi de te voir. J'ai jamais vu cette pièce. Ah, mais il dort là, le roi. Avec sa femme. Avec elle. Je savais pas que la chambre était là, moi.
Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a la, que j'ai, on a la maison, j'ai jamais fait attention. Bon, donne-moi un nouveau endroit. J'aimerais voir la carte des alliances. C'est cool les trucs des alliances, j'aime bien. Ouh, plein de nouvelles alliances. Donc ça veut dire en fait le truc est pas fini. Ça veut dire quoi la petite maison bleue avec la, la flèche? Ça je comprends pas. Bon on va en faire une hein. Attendez deux secondes, mon téléphone il a pété un câble là, il est en train de me dire ring ring. Voilà. Téléphone qui surchauffe tout seul l'autre. On va prendre celui-là. Les danois sont venus d'Estanglie. Je vois ce que ça donne. Ça oui, des danois au service d'un dénommé Roued. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Estanglie pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Planté. Je vais partir vers l'est alors, et aller parler à ce Finr. C'est une bonne idée. Non mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, franchement. Pour ceux-là qui ont encore des doutes pour savoir si vous, il vous intéresse, il est vraiment bien ou pas. Vous avez vu pour le peu que je joue là, non mais il y a tellement de choses à faire. Parce que là vous avez vu que quelque peu de ce que je peux faire, parce que là après là j'ai plus le temps, faut que j'aille me coucher après là. Parce que si je veux, là, regardez, je peux aller jouer Odin. Je peux aller dans le monde des dieux encore une fois, mais d'un autre côté, je peux faire plein de trucs. On a le côté aussi, je peux aller attaquer avec mes bateaux juste les camps extérieurs normales, donc les trucs rouges là, et ça j'ai pas besoin du bateau pour les faire ceux-là. Après on a des attaques aussi spéciales avec les bateaux, il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Franchement pour moi c'est vraiment l'ultime des Assassin's Creed. On peut dire ce qu'on veut, après peut-être que des gens aiment pas l'histoire, elles préfèrent peut-être des autres histoires. Moi aussi, il y en a des que j'aime beaucoup. Hein. Comme Origine, je trouvais trop classe l'histoire. Mais là, pour moi, celui-là, il est... au niveau le jeu complet. Bien le bonjour, Eivor. Attends, je regardais, c'est qui ? Pour moi, le jeu il est vraiment complet. Il est excellent. Il y a tellement de choses à faire. Voilà ce qu'il l'histoire, elle est prenante. 50 depuis le temps. Très bien. Je vois si je peux améliorer un peu mon lieutenant me rejoigne. Mon perso là. Pourquoi c'est tout blanc? C'est quoi cette connerie? Hein? Pourquoi elle est toute pourrie là? Elle est toute comme ça? J'ai pas compris pourquoi ça a tout enlevé. Heureusement que j'y regarde. Je peux lui mettre les coups de poing quoi. Réorganiser l'équipage.
Là, je regarde qui est qui. Ok. Ok. Bah là, je peux pas en prendre une autre. Eh ben, je vais mettre elle. On va mettre Birna. Qu'elle joue un peu avec nous, la cocotte. Il est classe, lui. Voilà. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Non, non. Et une prochaine fois, adieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ça, c'est toute mon équipe, ça. Lui, là, j'ai envie de le dégager, lui, gros con, là. Taper sur la gueule, toi. Connard. Ah, je peux pas le saquer, lui. On est où là? Non mais c'est pas là, je voulais aller voir. Les portes. Eh oui, je vous ai bien eu. Salut à toi, Eivor. Salut. J'aimerais que ma hache côtoie la tienne. Ma lame est toujours prête. Non, mais j'aime bien, c'est que ça les met pas du tout déjà devant où je vois rien. Ah, en fait. Eivor, t'as lui, il a exactement les mêmes trucs que moi, là. Pour le butin et pour la gloire. Tiens, je vais l'acheter. Joins-toi à moi. Donc, ça, ensemble, j'en ai un, nous forçons les portes de la halle du père de toutes choses. Offre-moi un banc, Eivor. Je rêve de pillage et de gloire. Et puis à demain, Yash ? Oh, ce sera pour la prochaine fois. Et toi ? Eh mais il est tenu comme moi, limite. Je vais le prendre aussi. Viens avec moi, et faisons voilà, de l'or et de la gloire notre quotidien. Il en faut, en fait. Il me faut je sais plus combien. Et comme ça, en fait, quand j'en perds, bah hop, j'en ai un autre. C'est quoi que je voulais faire, moi ? Ça, je peux pas y améliorer ça. Non, c'est 400 bien presque. Tenue corbeau. Oh bah voilà, on a déjà fait pas mal hein. Non le... franchement ce jeu je l'adore. Je peux pas, je m'arrêterai jamais. Je continuerai, je ferai que ça. Tellement que je l'adore ce jeu. Vraiment. Voilà. Bon on va s'en arrêter là les gens. Si vous voulez revoir ce qui s'est passé avant ou revoir, regarder un petit peu, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, parce que ma chaîne est exactement la même que Twitch. Je crois que c'est juste que YouTube, c'est peut-être Zip 71. Ouais, c'est juste le Zip 71. Après, autrement, je verrai live demain. Donc, je finis le boulot moi à 16h30, entre 16h et 17h. Donc, j'aurai live dans ces heures-là. Si vous voulez revoir ce qui va se passer demain, j'aurai live lui. Et après autrement, dans la soirée, je relèverai encore celui-là ou je relèverai avec Astra Far Cry. Voilà. Et ben je dis merci à tous ceux-là qui sont passés et à tous ceux-là qui sont encore là. Et je vous dis bonne nuit ou bon matin ou bon après-midi pour voir à quelle heure vous regardez. Allez, à plus tout le monde.